tout le monde, c'est Sangotra, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mock Lego Star Wars. Ah, ça fait un petit moment, enfin non, ça fait pas du tout un petit moment, puisque je vous ai présenté il y a peu le mock sur Utapau, et j'ai toujours envie de dire Genosis. Bref, donc ça fait pas très longtemps que j'ai pas présenté de mock, mais les mocks s'enchaînent, puisqu'on arrive à la fin de l'année et qu'on est bientôt en vacances. Mais surtout, c'est un mock sur lequel je travaille depuis un petit moment. Je suis déjà à une semaine de construction, même un peu plus, une semaine et demie de réflexion, de construction, de démantèlement, de remantèlement. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps et ce mock va sûrement rebouger. Alors, avant de vous présenter tout ça, je tenais à vous dire plusieurs choses. Tout d'abord, merci aux 220 personnes qui me suivent. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonné à notre chaîne. C'est ça, oui, c'est ça. Non, mais il est presque 20h. Mon cerveau fatigue, vous comprenez. Il a beau être super performant, il y a un moment où il arrive, comment on pourrait dire ça, l'irréparable, l'impardonnable, la faute de français. Bref, je ne m'étends pas là-dessus. Donc, tout ça pour vous dire que vous êtes 220 à nous suivre. Merci beaucoup, Daniel et moi, nous vous remercions du fond du cœur. Et à chaque fois que je dis ça, Daniel n'est jamais là. Mais c'est pas grave, il le pense toujours très fort. Deuxième petite chose, donc, je fais arriver Mock in Review d'ici 1 à 2 semaines, puisque j'avance bien sur le montage, que l'épisode a été tourné avec le special guest. Et donc, il arrivera d'ici 2 semaines, je pense, et puis après on reprendra le rythme habituel. Je m'excuse encore pour ce retard, mais ne vous inquiétez pas, Mock in Review, c'est toujours d'actualité. Troisième petite chose, je fais aussi parvenir très vite la vidéo d'explication sur la base du Tapao, puisque je sais qu'elle m'a été pas mal demandée cette vidéo. Voilà, je vais vous la faire parvenir. Donc elle arrivera sûrement avant Mock in Review, puisque celle-là est tournée, qu'il ne me reste plus qu'à la monter. Voilà pour ça. Et puis dernière petite chose, cet été, je ne sais pas, c'est pas encore tout à fait officiel, mais j'aimerais innover. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire innover, mais j'aimerais inventer, alors pas inventer un nouveau concept, mais me mettre à un nouveau concept, c'est-à-dire faire quelques vidéos en anglais. Alors pas toutes bien évidemment, mais quelques vidéos en anglais, tout simplement parce que l'anglais est donc, comme vous savez, la première langue la plus parlée au monde, et dans la poursuite de mes études, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine vidéo, on verra. Dans la poursuite de mes études, l'anglais va prendre une place très importante et j'aimerais, sachant que voilà, je ne vous le cache pas, je vais m'appuyer sur ma chaîne YouTube pour me donner un petit avantage par rapport aux autres. Et j'aimerais, voilà, faire quelques petites vidéos en anglais pour que mes futurs professeurs, mes futurs employeurs constatent de mon niveau. Je ne sais pas ce qu'ils pourraient en faire, mais voilà, ça pourrait toujours me donner un petit plus. Donc voilà, il y aurait quelques vidéos. De plus, ça pourrait nous permettre de nous rapprocher de la communauté anglo-saxonne, américaine, etc. etc. des Lego. Et pourquoi pas, dans un objectif bien évidemment ultra futur, faire quelques mock, enfin un ou voire même plusieurs mock in review en anglais bien évidemment, mais ça sera toujours le français sera toujours privilégié sur cette chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. Alors, trêve de blabla, de blablotte et de blabli. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un nouveau mock Lego Star Wars. Un nouveau mock qui ne se porte pas sur la trilogie ni sur la prélogie, mais sur la trélogie, un nouveau terme qui a été inventé par la team DNS Gaming pour qualifier les trois prochains films, enfin les deux prochains films plus Star Wars 7. Donc la trilogie, vous m'entendrez souvent le dire dans mes vidéos. Peut-être que ce terme existe déjà, mais je ne crois pas, je ne suis vraiment pas au courant. Donc, un mock sur la trilogie avec, comme vous pouvez le voir, les nouveaux soldats rebelles. Alors, il va falloir que je m'achète quelques battle packs pour en avoir plusieurs. Bien évidemment, vous verrez des Stormtroopers. Alors, je n'ai pas pour l'instant de First Order Stormtrooper, ce qui fait que ça va être plutôt compliqué. Du coup, je vais voir comment je m'arrangerai. Enfin bon, je vais trouver des solutions ou peut-être que j'en achèterai. On verra bien évidemment. Alors, c'est vrai que j'avais dit que je ne sais pas de mort sur la trilogie. Mais bon, bien évidemment, le Sangotra change toujours de
Cap, c'est une vraie girouette. Alors, voici le mock donc pour l'instant à un cinquième terminé, un gros cinquième terminé. Voici donc une grande montagne et cette belle palissade de bois. Alors, bien évidemment, le fond rose, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, je suis avec mon fond blanc habituel, mais je tourne toujours dans la chambre de ma sœur. Donc, pour l'instant, il ne s'étend que sur une seule plaque grise, mais il en aura bientôt d'autres plaques grises. Alors, une grande et belle montagne, donc, qui est vraiment haute, elle fait plus de 25 blocs de haut. Si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 blocs d'eau, très exactement, donc une très très grande montagne. 27 blocs d'eau, pour rappel, un personnage fait entre 4 et... Non, c'est 5 et 6 blocs d'eau. Regardez. On va le mettre ici. Voilà. Et comme vous pouvez le voir... fait c'est ça 1 2 4 entre 4 et 5 blocs de haut si j'ai bien compté ouais 4 5 blocs de haut donc c'est entre 6 et 7 fois plus grand que lui si on part sur les 4 donc c'est une grande montagne bref arrêtons de faire des calculs arrêtons de faire des mathématiques voici donc l'entrée de la moque, de la base de la moque. Donc une petite porte coulissante en bois. Voilà, que je trouve plutôt stylée, plutôt sympathique, que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, quand elle est fermée, elle se fond plutôt bien dans le décor. Alors bien évidemment, ici, vous avez un petit espace qui sera comblé par la suite. Donc voilà, une petite entrée purement végétale. Si vous avez une première petite plate-bande donc, de terre. Donc avec un nouveau rebelle qui est dessus, donc voilà qui sera en train de tirer. Vous verrez sur qui, bien évidemment, bah sur des Stormtroopers. Alors je vais tourner la moque et vous allez pouvoir vous rendre compte de l'intérieur qui n'est vraiment pas aménagé, bien évidemment. Vous avez ici donc un petit hangar pour véhicules donc que j'ai fait en pièces donc en beige. Alors je trouve que ça donnait un petit aspect sympathique. Voilà un petit aspect quand même un minimum aménagé donc, par les rebelles. Donc comme vous pouvez le voir, lui il est sur le canon. Peut-être parce qu'il vient d'arriver, qu'il est en train de descendre. Je vais quand même essayer de filmer dans du blanc parce que le violet c'est quand même... le rose c'est quand même pas extraordinaire. Donc voilà, vous avez la montagne qui est ici. J'ai demandé de pas filmer dans du rose, merci l'ami. Voilà, mais c'est décidément j'ai du mal. Désolé pour la chaise qui grince, bien évidemment. Cette vidéo va partir en cacahuète d'ici très peu. Bref, donc ici vous avez des colonnes de bois qui soutiennent la première esplanade. Il faut savoir qu'il y en aura une autre ici avec une autre montagne, ce qui fait que ça fera une sorte de V et les véhicules pourront sortir par là. Comme vous pouvez voir à ces phrases, il y aura deux véhicules. Alors l'entrée est dessous. Elle est là, regardez. Je vais vous montrer. Hop, je vais décaler la porte. Voilà, donc l'entrée est ici. Ce mur a été mal mis, voilà, je le replace. Donc vous avez ici un quatrième personnage. Donc ici, tout cela sera rempli. Il y aura sûrement des caisses d'armes, des vitres, etc. Un coin quand même assez bien aménagé et au-dessus un hangar. Et puis bah voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce mock. Je ne vous parle pas du champ de bataille qui est pour l'instant top secret. Vous verrez, je pense que si j'arrive à faire ce que je veux, ça devrait être plutôt sympa. Il va falloir néanmoins que j'achète énormément de petites pièces comme ça, voire des 4x4. Beaucoup encore de stalk. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour ce qu'il va falloir que j'achète. Ah si, bah si, bien évidemment, encore plein, plein, plein de 2 fois 4 fois 1 barons. Donc ce sont les pièces basiques hein, lesquelles on pense en premier quand on joue au Lego. Donc les 2 fois 4 fois 1, 2 de largeur, 4 de longueur, 1 de hauteur. Donc il va falloir que j'en achète énormément des comme ça pour faire la deuxième montagne, puisque ça m'en a demandé vraiment, vraiment beaucoup. Beaucoup de pièces brown donc à acheter. Donc une commande, sûrement un aller-retour au Lego Store. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça dans les Lego Hall, bien évidemment. Vous en avez l'habitude maintenant.
Et puis bah, je pense que c'est à peu près tout pour ce mug. Voilà, je vous laisse, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Cette vidéo est un carnage total au niveau du son, au niveau bien évidemment du fond rose. Je suis en train de regarder pour m'acheter un trépied pour ma caméra et un fond blanc, un réel fond blanc. Et puis je vais bien évidemment, quand les vacances seront là, filmer dans ma chambre, ça sera beaucoup simple, ne vous inquiétez pas. Alors c'est vrai que certains mocs étaient filmés dans ma chambre, notamment le moc de Utapaou, tout simplement parce qu'il est lourd et que je n'ai pas pu le transporter jusqu'à la chambre de ma soeur, qui est pourtant juste à côté. Mais là, enfin bref, je vais vous pas raconter, moi je raconte ma vie. Non mais son autre soeur, non tu fais du mal, tu fais du mal, tu te fais du mal, très clairement. Bref, voilà, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez des futurs projets, des choses qui vont arriver, de cette vidéo, bien évidemment. Le concours, donc les résultats du concours arriveront le 15 juin, je pense à peu près, par là, le jour de mon épreuve de philosophie. Bien évidemment, sur Twitter, vous pourrez suivre l'avancée de mes épreuves de bac qui commence le 15 et qui termine le 23, je crois, quelque chose comme ça. Non, sans me tresse, le 20... Oh, le 23. Quelque chose comme ça. Enfin bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et ciao, ciao.